Salut, la famille. Venez vous même écouter. Thérèse Tchamalo, Ricardo Mandonkas, qui ose se moquer de son physique, de sa laideur. Elle dit carrément que est-ce que Mandonkas peut trier un être humain, même si elle regarde, elle ressemble à quoi? Et qui la traite de tous les noms alors qu'elle-même, elle dort avec un masque à la maison à Dama. Elle dit que Ouag Soucy entre dans le direct de Thérèse Tchamalo pour dire que ce qu'elle dit, que Tata Doudou va, sauf que l'endormo, c'est la partie là qu'elle a dit que, mais est-ce qu'elle a vraiment un problème avec Mandonkas? Si elle décide de donner son avis sur l'enfant de Tata Doudou, ça gêne Mandonkas en quoi, famille? Venez vous écouter attentivement. Tu dis que je l'ai oublié, que je la gère pas. Je ne la gère pas. Je ne la gère pas. Tu dis que je ne la gère pas. Que je l'ai vomi il y a longtemps. Nos chemins ne pourront plus jamais se rencontrer. Thank God. Je n'ai jamais. Tu dis que mon argent et la nourriture de ma mère est dans son ventre. Elle et sa famille. Mais je n'ai jamais sucé son bonbon. Je n'ai jamais même bu son eau. Allez lui dire ça. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est une grande star, on a 20 000 abonnés, on a 100 000 abonnés. Et le jour de son anniversaire, on reçoit seulement 100 étoiles. Maman, elle dit que le saving de ça, mon argent reste que dans mon compte. Voilà, qu'elle pleure plus que ça. Il ne la gère pas. Elle lui dit que je l'ai vomi. Et comme la nourriture de ma mère et la boisson de ma mère et mon argent sont dans son ventre, je n'ai jamais sucé son bonbon. Et comme les pipis du chat qu'elle était partie chez ma mère avec, ce qu'elle appelait que les chocolatines là, c'est déposé là-bas. Le jour qu'elle a le temps, elle peut envoyer quelque chose, elle peut aller prendre ça. Comme elle a dit que c'est un trop bon vin. Qu'elle aille prendre l'électricité, que ces pipis du chat là sont encore déposés là-bas. Je ne la gère pas. Quelqu'un va finir d'aller sur les panels, avec ses tiges de maïs aux fesses là, parler de moi partout. Qu'elle vienne s'asseoir, qu'elle prenne la peine de revenir sur son panel, s'asseoir et dire quel est son problème avec moi. Moi, je l'ai vomi. Je n'ai jamais sucé son bonbon. C'est moi qui lui ai donné, elle ne m'a jamais rien donné. Voilà. Le téléphone qu'elle se balade partout pour m'insulter sur les panels là, c'est moi qui lui ai acheté ça. Je lui ai fait ce qu'on appelle la psychologie renversée. Elle ne prendra jamais le dessus sur moi. Je resterai toujours grande vis-à-vis de sa personne. Toute la vie, c'est moi qui lui ai donné. Même son bonbon, je n'ai jamais sucé. Ce qu'elle fait là, ce sont les pipis du chat. Les pleurs du mollet. Il dit que qu'elle se lève de son canapé, qu'elle vienne décrypter ma photo. Ok? Mais qu'elle enlève le masque sur son visage. Qu'elle enlève le masque, le brûlé, les plaques là. Qu'elle enlève le filtre. Qu'elle enlève le filtre. Elle est venue comme moi. Elle a le passeport américain. Elle est United States. Qu'elle vienne travailler. Quel est le travail? Moi, je ne la gère plus et mon argent reste dans mon compte. Même si j'ai le masque, même si je suis n'importe comment, même si j'étais n'importe comment, je ne la gère pas. Voilà, je ne la gère pas. Et quand on a de la grandeur, quand on vomit les gens là, on ne parle plus d'eux. Tu dis que tu es la plus grande clasheuse. Et si tu es une clasheuse, je ne paye jamais mon combat. Quand tu clashes les gens là, ça allait chanter les cantines d'église. Quand toi-même tu clashes les gens, comme tu te dis que tu es la plus grande clasheuse et tu ne payes jamais ton combat. Et c'est pour venir, tu leur fais quoi? Les carrés, les massages corporels. Quand tu dis que tu clashes les gens là, c'est en leur faisant les massages corporels. Les gens sont les qui? Ce que vous dites là, je vais trouver ça d'important. Le jour que vous allez venir éteindre l'eau dans mon téléphone, le jour que vous allez venir éteindre la lumière dans mon téléphone, que je me connecte plus quand je veux, de par ma disponibilité, je saurai que vous allez réaliser quelque chose. Ok? Vous n'avez rien. Quand on voit des femmes comme vous, je suis ta mère, mamie, je suis ta mère, mais quand on me voit, on dirait que c'est toi qui m'as accouché. Je sais pas. Je suis laide, certes, mais je suis une citoyenne honnête. Je suis une citoyenne honnête. Ma famille est proud of me. Tu as allé chez ma mère, tu as vu le aise. Dans quel aise ma mère vit? Ce sont ses enfants. C'est les enfants là qu'elle a couché. Ça l'aide, fille, le masque là qu'elle a couché. C'est moi, c'est mon effort. De toute ma laideur. De toute ma laideur là. Mes parents sont fiers de moi. Ma fille est fière de moi. Mon nom est fier. So proud of me. Mes amis me célèbrent. Toi, tu connais qui je suis. Dans le noir là, quand tu auras fini de dire ce que tu as été entassé là, dans la lumière, tu connais dans le noir qui je suis. Parce que moi, on ne sonne pas mon téléphone deux fois avant de me voir quand mes amis ont un problème. Je le porte à dos comme ça avec leur problème. Ok? Dans vos pipis du chat, le dénigrement de ça. Vous venez là, vous laissez vos enfants sous le lit. Vous venez vouloir masquer la vie des enfants des autres sur les réseaux sociaux. Tu viens là avec tes sales pieds accrochés au sol, en l'air. Elle est, tout le monde est dit qu'elle est. Tout le monde est vous que l'eau vous emporte. Je ne vous gère pas. Tout le monde peut se moquer de la beauté de quelqu'un. Sauf toi, avec ta tête comme la cuvette. Je n'ai pas peur de toi. Ok, je n'ai pas peur de toi. Je peux te respecter, mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de toi. Il n'y a rien que tu vas dire sur moi, ok, qui va m'empêcher de me laver, faire ma bonne toilette, mettre mon make-up, ok, et mettre mon bon parfum sur moi. Il n'y a rien. Je ne peux pas te moquer d'un masque que je suis. Alors que tu dors à côté du masque, tu te réveilles avec. Ok, tu ne peux pas. Je suis un masque. Je l'assume. Oh, ah. Ce que vous avez vu là, c'est la caméra, se retourne maintenant. Je suis comme ça. La seule chose que j'ai changé, le petit boubou là que j'avais sur moi, j'ai mis une autre couleur. Ça va te juger toute ta vie. Parce que je dirais tout te mettre au pas. Tu es une ingrate. Et je n'aime pas les ungrateful.
Tu es une ingrate pour moi. Tu as le passeport américain, ta vie n'est pas waouh. Quand tu marches, tu ne donnes pas envie. Et quand tu as pris les clés, l'autre dit que tu dis que c'est que qui a dit qu'il n'y a rien à prouver. Non, mais tu as tout à prouver. C'est les nous comme ça là, qui savions qui nous sommes, qui n'avons rien à prouver. Parce que quand tu as de l'assurance, quand tu es confident, tu n'as rien à prouver. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à te prouver. Même avant que tu n'aies jamais, je t'avais jamais dit que de mes parents, jamais. Ok? Tu viens dire que tu ne peux pas te coucher dans un palais, tu vas avec tout ce que tu as. Tu n'as même pas une maison peine. Tu n'as même pas tout ce que tu as. Il n'y a rien de fini. Quand on dit que les biens là, c'est fini avec les amants. Tu n'as même pas, t'as pas de belle voiture. Tu n'as rien. Tu n'as même pas, t'as pas de bonne mamie. Tu n'as pas, t'as pas de bon ustensile de cuisine. Tu n'as rien. Tu n'as même pas, t'as pas de bon bar qu'on a bien fait là, carrelé, machin. Tu n'as pas ça. Je n'ai jamais bu ton eau. Je n'ai jamais sucé ton bonbon. C'est toi qui as mangé mon argent. C'est toi qui étais aux États-Unis. Tu as acheté un téléphone. Le téléphone avec lequel je te balade partout pour vouloir me manquer du respect dans les panels. J'ai mouvant. C'est moi qui t'ai acheté ça. Tu étais encore aux États-Unis. Je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Tu es parti au Cameroun. Tu as dit que non, je ne peux pas avoir ma soeur comme ça au Cameroun. Ok? Je te donne tous les mois. Je te mets chez que tu as ton âne de nourriture. Pas avant les deux, trois fois par mois. Le jour que je ne parlerai, que je ne pouvais plus envoyer les étoiles. Tu fais le live à Philippe. Tu as dit que moi, tu prends. Parmi les 50, si tu bois ta bière avec, tu as fait un très beau live. Va ton âne de toi que je voulais te mettre. Je te donne même jusqu'à tes entourages. Toutes les petites filles qui t'entourent. J'ai dit que non, donne les 10 000, donne 20 000 à telle personne, donne 30 000 à telle personne. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que ce que tu avais dit sur moi, c'est quoi? Appelle toutes les saletés de parenté qui sont ici là, qui viennent te parler de moi. Regarde, Thérèse, Tiama, les Caroline. Va chercher mon acte de naissance. Va chercher mon acte de naissance. Va prendre mon acte de naissance. Va à la mairie de Nouvelle. Va à la mairie de Nouvelle. Tu vas trouver mon acte de naissance là-bas. Comme ça, tu vas venir donner le bon fax sur moi. Tu n'as même pas honte. Tout le monde dit qu'elle incite les gens. Et vous venez faire quoi? Et celle-là, elle a sa langue comme les ventes dans la bouche. Avec sa langue pâteuse dans la bouche. Celle-là qui ne donne même pas envie de regarder. Ok? Parce que moi, si je ne donne pas envie de regarder, au moins je donne envie d'écouter. Ok? Celle-là. Celle-là qui vit seulement à vous, des femmes qui vivent seulement à l'image et à la reconnaissance d'une autre femme comme elle. Elle a ma foi, ma baisse. Elle a ma foi. Donne-le vous en porte. Malofombo, ne parle plus de moi. Je m'ouvre avec ta personne. Je ne suis plus avec toi. Et je ne suis pas ta générale. Ok? Moi, je suis ça et mes comptes là. Move on. Tu as nommé, je crois que tu as nommé Miladé Rangé comme ton nouveau général, mais donne-lui tous les honneurs qui vont avec. Ok? Donne-lui tous les honneurs. Ah, mais glorifie-le comme tu me glorifiais. Ce n'est pas toi qui m'as fabriqué. C'est moi qui suis venu avec toi. J'étais déjà sur les réseaux sociaux. J'étais déjà sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas toi qui paye ma facture de téléphone. Même si j'étais ta général. Ok? Tes pipi du chat de Team USA ne payaient pas ma facture. Ce n'est pas ça qui payait ma facture d'internet pour que je puisse me connecter, pour faire du sale pour toi. Quand tu m'as envoyé le schéma. La vidéo de la schématisation pour aller créer la page ici. Et toi qui as donné le nom de Marathé des USC. Quand je suis parti porter une timado, c'était pour le faire quoi? Elle incite, c'est qu'elle incite les gens quand ça vous plaît. Elle incite les emblèmes, c'est pas incite les gens. Quand tu insultes les gens, quand tu te proclamais être la plus grande clasheuse, tu faisais quoi? C'était pour que tu laissais le bonbon que tu leur donnais. Quand tu venais t'asseoir sur la vie des gens, quand tu laissais danser le kung sur la vie, c'était les chansons de la cantique. Tu faisais quoi? Quel est ton record sur les réseaux sociaux? Tu as apporté ta présence sur les réseaux sociaux. Tu as apporté quand même un plus à qui? Tu as fait quoi? Tu as demandé qu'on ait fait quoi? Tu as fait quoi que les autres n'ont pas fait? Tu as fait quoi? Ok? Chacun vit sa life. Tu n'es rien, mamie. Tu n'es rien. Parle de tes enfants. Ok? Et viens décrypter ma photo. Porte ça. Quand tu auras fini de décrypter ma photo, prends le masque que tu dors avec. Ton masque qui est à côté de toi, avec lequel tu dors nuit et jour là. Avec lequel tu dors et tu te remets. Viens aussi nous parler de ton masque bamileke là. Ok? Donc c'est ça pas le genre que tu n'as pas encore vu. Toi tu portes un masque en 24 autour de toi. Quand tu auras fini de décrypter mon masque que je suis, parle aussi de ton masque. Que tu dors et tu te réveilles avec. Parce que j'ai peur de toi. Une bêtise comme toi. C'est pas respect. Hein? C'est pas respect. Et le titre de Comté là, je te retire ça. Parce que quand j'ai commencé à utiliser Comté là sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à toi. Quand j'ai clashé la team de Lomania, il disait que tu n'es pas n'importe qui, que tu es une conteneur, mais tu n'as pas le truc qui va avec. Tu n'es plus conteneur. Et je suis conteneur. Et toi, tu sais ça. Je travaille. Et je ne me pavane pas. Tu me cherches, tu ne me trouves pas. Tu viens sur la route de mon travail, tu vas me trouver. Je ne me pavane pas. J'ai mes ambitions. Je connais dans quel collège je veux que mon enfant aille. Mon enfant va à l'école privée catholique et c'est l'argent que je paye. So I have to work hard for it. I have to work hard for it. Voilà. Donc, t'es plus là, concentre-toi sur la vie de tes enfants. Laisse les enfants des autres tranquilles. Ok, je ne t'ai jamais manqué du respect, mon inbox. Tout ce que tu disais, quelqu'un, oui, m'a déjà compris. Tu es venu parce que tu veux faire plaisir à une type. Ouais, tu veux montrer que tu veux te mettre à me clasher. Tu veux prendre les conneries pour me parler de ma mère. Tu as dit que tu es parti, je m'avais mangé, il n'y avait même pas le bon vin. Et toi qui étais heureusement que tu avais porté une bonne vin, une bonne bouteille de vin pour venir des États-Unis. Ton chocolat là, ni là, c'est encore posé là-bas, tes pipi du chat là, c'est encore posé chez ma mère. Que tu n'auras plus jamais quelqu'un comme moi dans ta vie. Je suis pèlerin. Parce que Dieu connaît comment il a créé mon cœur. Tu ne peux pas. Et mon cœur de donatrice que je peux avoir, tu ne peux pas l'avoir. Tu n'as pas cœur. Quel est ce gourmet qui ne finit pas? C'est quoi?
Depuis pratiquement combien de temps aujourd'hui, tu vas venir rester sur moi comme ça là? Tu ne peux pas. Parce que moi, je ne m'acharne pas sur les gens. Quand je parle une fois, je quitte dessus. Mais tout est sort là, c'est long pour le faire, c'est professe. Elle dit là, eh ben, je ne suis pas ta générale. Plainte contre Ouattatologue à quel niveau aussi? T'as plein de contre, elle vit avec ta bosse. Ta grosse bosse, elle t'assoit sur la chaise là-bas, au commissariat là-bas, juste. Elle t'a tes épaules carrées comme ça. T'as plein de là aussi à quel niveau? Puis tu as mis ta plainte, tu as déposé ta plainte bien avant, peut-être 4 ans avant moi. Ok, demande à tes connus là de venir encore en bas de mon immeuble. Cette fois-ci, je ne vais pas la louper. Qu'elle revienne encore un jour, qu'elle se perde, qu'elle me donne encore rendez-vous un jour. Et dit que je devrais call off au travail, je suis là pour l'attendre. Qu'elle revienne encore un jour, ici aux États-Unis, à Maryland particulièrement, qu'elle me donne rendez-vous, qu'elle va venir chez moi à tel jour. Je vais call off au travail le jour là pour l'attendre. Ce n'est pas moi qui ai accouché ma fille. Elle sort de ses champs. Il y a quoi là-dedans? Alors qu'elle dort, elle se réveille. Elle connaît tout ce qui se passe sur Facebook. Elle connaît. Elle dort avec ça. Sur la main, tu te réveilles avec ça. Et ça là, il y a quoi? Ma générale a encore fait quoi? Machin, elle est où avec la tête cassée? Je suis où tu es avec ta team d'ennemis? Elle s'est bête de toi-même. En ne te moquant du visage des autres, va d'abord te mirer. Je ne connais pas si ton miroir est retourné à l'envers. Tu me colles la paix. Ok? Tu me fous la paix. Je ne te gère pas. Et je ne suis pas obligé d'être avec toi. Je parle là où je veux. Et j'assume qui je veux sur les réseaux sociaux. Ok? Quand on te lavait ici, il y a des gens qui t'ont lavé. Pourquoi tu ne leur as jamais répondu? Pourquoi tu ne leur as jamais répondu? Pourquoi? Pourquoi? Quand on t'insultait ici là, quand tu m'as envoyé pour créer la page pour répondre, j'ai dit qu'elle est venue. Tu sais pour venir faire quoi? Tu sais pour venir là chanter quoi? Quand le baby shower est monté, le baby shower est descendu. C'est quel sexe qu'on va accoucher? Oupi, 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 congratulations. Quand t'appelles ça comme ma cabo, ma igname, tu t'es où? Tu peux parler? Elle vient là, elle se lève comme 10 kilos de lèvres. Si vous parlez de la beauté, c'est toi qui parles de la beauté d'une femme. Hein? Si vous parlez de la beauté, tu as le truc pour parler, pour te moquer d'un être quelconque. Tu as le truc qui va avec. Un masque comme toi, que tu nies avec notre masque nuit et jour, tu veux parler de qui? Tu parles de qui? Je suis pas seulement ta grâce, je suis ta mère. Et I'm blessed. Je suis ta mère. Ok? Donc va pleurer avant de témoigner tranquillement. Ne viens plus tout le temps faire des apparitions avec mon nom. Ma générale, elle a fait quoi? Elle a encore fait quoi? Elle n'a pas encore fait quoi? Je ne te gère pas. J'assume ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que de par mon boulot, je n'ai pas collé mon image à ça. Sinon, je n'ai pas honte de ma personne. Parce que quand tu as honte de toi-même, j'ai des amis que je sais ici dans les lives. Je n'ai pas honte, qui me voient tous les jours, qui savent comment venir cogner à ma porte à me voir maintenant, même dans mon état naturel. Je ne suis jamais prétendu être quelqu'un que je ne suis pas. Il y a quelqu'un qui veut mon titre. Coucou ma Warriors. Bonjour. Bonjour chérie. C'est comment non Warriors? Je n'étais pas vu depuis ma vie. C'est comment non? Mais je suis là non. Moi on n'a pas été. Ah. Finalement. Oui, j'ai dit comment elle a parlé de toi là-bas. La saleté de Dalet. Celle-là, ta photo de ta fille va monter sur ma page demain quand elle fait le live. Attends. Ta fille qui est pocket là. Au moment qu'il y avait les problèmes, on l'a lavé là et tout ça. Hein? Fille, on avait déchiré sa fille ici. On m'a envoyé sa fille travailler dans les pole dance. Il y a quelqu'un. Où ça? Les pole dance. Les pole dance, c'est les bars là où on a les sutis. Oui. Oui, mais de côté des noirs. Moi, je suis ici. On m'a envoyé, c'est sûr que c'est tranquille. C'est dans mon téléphone, je dérange là. Je te dis que. Ah! Elle n'avait rien contre moi. Je n'ai jamais manqué le respect à 400 jours. Moi, j'étais surprise. Elle se moque de toi ce matin dans le live là. Moi, j'étais surprise. Elle se moque de moi. Attends, je vais regarder. Je vais encore la terminer. Donc, je vais s'agir d'Orca, toi et moi. Ou bien, vous voulez peut-être quand il y a eu des problèmes, peut-être que je la soutiens, mais moi, je ne pouvais pas. Parce que ça ne me regardait pas. On est d'accord? Moi, j'ai fait. Je vais ici. Je vais dire comme quoi. Que sa fille, quand je suis sa fille est grosse. J'ai regardé à gauche, à droite, derrière, devant. Je vais souffrir ça à Facebook. C'est maintenant que je m'avais regardé par TikTok. Et j'ai vu sa fille là-bas, sa fille, parce qu'elle est là. Bah, c'est la petite fille que j'ai connue. Même si c'est pour ça qu'elle m'insulte, elle m'insulte moi. Elle ménage mes enfants, elle ménage ma maison, ma cuisine, parce qu'elle dit que, femme, il y a des dents, elle part. Enfin, tu as suivi ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Moi, je dis bien, contenance, à tes rêves. Je n'ai jamais insulté cette femme un jour. Jamais. Elle va vous réveiller. Elle vient de mon nom. Les injures de ça. Les gens ont dit que non. La femme n'a pas mal parlé, la femme a parlé à sa façon. J'ai parlé à ma façon, tu connais que je suis pas prétendant dans mes propos, mais c'était pour dire seulement que non, que c'est la petite fille a continué à poursuivre comme ça. Même hier, j'ai monté une petite fille blanche que je connaissais ici, qu'aujourd'hui, elle est dans un fauteuil parce que son poids, elle n'arrive plus. Ce que je t'ai dit, j'ai parlé à ma façon, c'est tout. Elle m'a attaqué mes enfants, ma cuisine, mes asticots, j'ai dit que Dorcas m'attend. Depuis deux mois, quand les femmes ont insulté les enfants ici, là, sa fille ici, c'est là pour moi. On a déchiré sa fille ici, elle a fui. Deux mois sans venir à Facebook. Elle vient avec moi et j'ai vu que toi aussi tu es dedans. Je ne dis pas que non. Je ne dis pas que non, que je ne suis pas. Mais ça ne la regarde pas. Il faut d'abord défendre d'abord. Jusqu'à dire que il faut que je dis quand même tabasse. Mais elle était dure dans ce propos. Moi, je n'ai pas compris. Voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça. Pourquoi elle dit qu'elle n'est pas sur Facebook? Elle dort bonjour, sur Facebook. Bonjour, Jackie, bonjour à tous. Elle vient chouquer le cerveau des gens. Coucou, Os, j'étais là. Bonjour, Os. Très bon dimanche. Non, je sais que les gens ne veulent pas trop, tu vois, normal. Mais. Non, pourquoi les gens ne veulent pas? Non, on t'adore, Wario. Non, on t'adore. Non, on t'adore. Ça me fait mal. Cette chose-là. Si tu avais nourri comme moi, c'est que tu es peut-être que ça te fait encore plus. Si tu avais nourri comme moi, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Elle a fait tout ce que je lui ai fait. Mais là, tu ne peux pas venir sur le monde. Moi, j'ai dit qu'on a commencé vendredi. On m'a dit, je vais terminer avec vendredi. Parce que quand même, parfois, on dit que la voix est comme ça. Est-ce que je suis de plus que toi? Je suis de plus que Pipi? Je suis de plus que qui? Même si voilà. La seule personne qui insulte tout le monde. Donc, pourquoi que je me réveille le matin comme ça pour insulter les gens? Voilà. Non, elle fait la même chose. Mais elle dit tout que ce sont les autres qui insultent. Voilà. Elle insulte. Pourquoi tu viens ici là pour faire le bébé shower? C'est le voix bébé. Tu n'agresses pas. Parce que moi aussi, je vais défendre la fille. Mais, tu vois, elle passe. J'ai dit que mes deux cuisses, c'est comme les jambes de la fille. Est-ce qu'elle fait ça? En dehors de ça, je vais parler. Là, ma façon, parce que je suis pas 60 ans dans mes propos. En dehors de ça, il y a quoi? Pourquoi Doudou Ngaba? Elle essaie de Doudou Ngaba venir bagarrer avec moi. Arrête là, les choses de Bonimbo, il faut la tarasser. Quand Doudou Ngaba vient, viens me tarasser. Est-ce que je me laisse faire? En tout cas, je te dis, bonne journée à toi. Mario, pense sur le temps. Maman, tu es une belle personne et tout. Tu t'aimes tel que tu es. Tu n'es pas de worst. On te montre tel que tu es une belle personne, on voit comment tu t'aimes pour tes enfants et tout. C'est ça qui fait de toi une femme. Quand tu viens ici, c'est pour t'amuser. Mais ça, ce n'est pas ton quotidien. Ok, wow. Merci, bonne journée à vous. Love you. Ok, bye-bye. Je continue à vous suivre. Ok, maman. Voilà. Tu es en train. Dès qu'elle vient là, elle s'est pourfaite, elle s'est longue, cette tige de maïs qu'elle a dans ses jambes et tout. Et il y a quoi, c'est fait? Elle vient là. Si tu racles les palais des gens. Et il y a quoi, c'est Facebook? Ma générale a encore fait quoi? Je ne suis pas ta générale. Et même quand j'étais des conneries là, ok? C'est pas toi qui payais ma facture de téléphone. C'est pas toi qui mettais l'intérêt dans mon téléphone pour que je vienne parler. Ok? T'es pipi du chat que la team USA. Je m'avais jamais payé une facture pour le sale que je faisais. Ok? Et comme je t'ai dit tantôt, la séparation n'est pas faite coup de chien. Je ne veux plus associer mon image à toi. Et toi aussi, fais pareil. Oublie-moi, ne me prononce plus. Ne me prononce plus. Ok? Quand tu es venu parler des cheveux de mer, dis que ta patronne à Fleur de Lune est Shaolin, Shaolin 12e temple, Shaolin ceci, Shaolin, tu te proclames être la plus grande clasheuse. Quand on clash là, on fait quoi? On dolâtre les gens seulement. Quand le clash là, c'est pour dolâtrer, ou bien c'est pour chanter les cantiques. C'est quand elle dit là, l'autre, ils ont visage palpé les tout comme les feuilles de bananier qu'on avait mis au feu, palpé pour attacher le coquille. Quelle sorte de. Sors! Enlève le filtre, on va voir comment ton visage est calciné. Et montre aussi tes dents là. Que coller les unes sur les autres, là. Conneries comme ça, là. Saleté. Tu vois, quand je me laissais faire par toi, une bêtise que j'ai nourrie comme ça, là. Une saleté comme ça, là. Tu n'étais pas encore affalé sur le canapé. Tu n'es devenu que l'ombre de toi-même. N'importe quoi. Le mal vient en toi. C'est moi ta mère qui te dit. Je suis ta mère. Tu as compris? Non. Je suis ta mère. Voilà. Donc, oublie. Ne pense pas que tu vas venir faire ton blog avec mon nom. Je ferai le mien avec ton nom aussi. Et j'ai mes contenances. Elles vont faire ta fête. Tu ignores quoi? Elles feront ta fête. Tu crois que c'est facile? Regarde, l'autre Dieu là, il a ses narines, il a ses crocs de nez remplis dans ses dents qu'elle a concassé depuis le matin, qui sont secs, qui sont restés dans ses dents là-bas. Tu crois qu'il n'y avait pas la jalousie? La jalousie de quoi? Les machines de poussière là partout. Avec les lézards qui montent sur le vieux. Fais quoi ça? Ok? Je préfère avoir un petit tout bien fini là comme ce que j'ai. Clé à main. Une connerie comme ça. Quand elle s'élève au sein, elle s'émince ce pied au sang, et avec la clé, ouais, partez comme vous vivez pas pour me montrer. Elle dit que j'ai rien à prouver. Il faut venir me prouver. Viens prouver. Le téléphone que tu marches avec là, c'est moi qui t'ai acheté ça. Le téléphone que tu vas dans les panels, vous voulez me manquer du respect là. C'est moi qui t'ai acheté ça. Et tu es encore aux États-Unis. Ne me dis pas que tu es une handicapée. La mendicité de ça. Tu étais une mendicité. La mendicité. Ok? Une mendicité à Pro Max comme toi. Comme milliardaire, là, le manioc. N'importe quoi. Tu peux être aux États-Unis. Tu n'as ton passeport de United States of America. Et une que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu de tes yeux, que ta salive n'a jamais même touché son visage. Le téléphone, il donne. J'envoie mon argent, tu prends. Et vous, tu as quelle dignité? Tu crois que tu peux avoir quelle dignité devant moi? De toutes les six conseils que tu as donné mon argent, tu as pris. Tu crois que tu peux avoir quelle dignité devant moi? Et vouloir me manquer du respect. Toi, hier, tu disais que, ma quarantaine, regardez mon téléphone. Tu veux que je vienne aujourd'hui, là, dire que, montrer combien il t'a envoyé. Toi-même, tu as le. Et que quand j'envoyais là, toi-même, tu as tous les trucs de réception. Ok? N'amenez pas les polémiques ici. Ok? Orisha était là tantôt. Et elle est occupée avec les enfants. Arrêtez ça que, ouais, Orisha. Arrêtez ça. Orisha était là. Tu ne connais pas si elle est à l'église ou pas que ce soit. Ok? Les gens viennent quand ils ont du temps. Orisha était là. Que, ouais, Alesha. Tu la connais où? Vous venez tout dessiner le diable au mur. Orisha était là. Tous les conneries comme ça, là, vous voulez créer les polémiques partout. Que où elle est Orisha? Conneries, que tu connais Orisha où? Pourquoi tu veux voir Orisha? Orisha, c'est dimanche, les gens ont leurs choses à faire, là, les enfants, peut-être qu'elle a pu les occuper, peut-être qu'ils sont sortis, ils sont allés au parc, peut-être qu'elle a été copain. Orisha était là. Non,
Quand tu n'as pas posé des questions comme ça, vous avez trop créé des polémiques. Te voulait Olisha, tes chiens. Tu peux pas aller tirer ses mains de là où elle est.